Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Spotify for Artists. C'est un petit outil qu'a lancé Spotify en amont pour les artistes indés, notamment pour qu'ils puissent gérer leur page Spotify et aussi voir un petit peu leurs statistiques, etc., etc. Donc, Spotify for Artists, premièrement, il va falloir que tu y accèdes. Dans mes souvenirs, d'accord, moi je l'ai déjà fait. Mais dans mes souvenirs, sur DistroKid, tu vas dans Statistiques et tu peux accéder, d'accord, à ta page d'artiste. Si jamais tu as déjà sorti un son avec DistroKid, ça va normalement la connecter à ta page d'artiste. Si je me souviens bien, peut-être c'est plus ça, d'accord, moi je l'ai fait il y a très très longtemps. Mais après, tu vas devoir cliquer dessus et tu vas cliquer sur J'accepte. Et normalement, peut-être que tu devras associer un compte, d'accord, un compte Spotify d'utilisateur à ta page d'artiste pour pouvoir gérer. Du coup, ta page d'artiste. Je crois que c'était comme ça. Hein. Je suis désolé, ça fait très longtemps que je l'ai fait. J'ai pas envie de me redéconnecter, etc. Mais normalement, ça devrait le faire pour vous. De toute façon, je sais que vous êtes assez indépendant, vous allez réussir. En tout cas, quand vous allez réussir, vous tomberez sur cette page d'accueil, d'accord, de Spotify. Donc, bah, tout simplement, c'est un petit peu une page où tu as plein de petits articles comme ça qui t'aident à comprendre comment ça fonctionne, et tu as aussi tes top titres, tes top playlists et aussi tes écoutes sur écoute auditeur abonné sur les 7 derniers jours. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir le profil d'artiste, d'accord? Parce que c'est là que tu vas pouvoir faire tout un tas de choses. Donc, premièrement, tu as la vue d'ensemble, ça, c'est un petit peu ce que les gens voient quand ils tombent sur ta page d'artiste, ok? Donc, tu as tes meilleurs tracks, tu as tous tes tracks aussi qui sont en dessous. Et là, il y a un petit truc qui est très intéressant. Donc, on commence par ça, c'est simplement l'artiste pick. Donc, ça, c'est quoi? C'est à chaque fois que tu vas sortir un nouveau track, d'accord? Par exemple, tu vas pouvoir bah, le mettre en avant sur ton profil. Donc, ça, c'est très intéressant. Hop, tu cliques, par exemple, hop, tu peux mettre même une image d'arrière-plan, ok? Et là, tu peux mettre un petit message, new track, etc., etc., ok? Et tout simplement, ça va te la mettre en avant sur ta page Spotify. Ça, c'est très intéressant, c'est très sympa d'avoir mis ça en place par Spotify. Deuxièmement, on va aller dans À propos. Donc là, c'est surtout ce qui va vous intéresser, vous, c'est pouvoir personnaliser tout simplement votre avatar et votre image d'en-tête. D'accord? Donc respectez bien les formats JPEG, GIF ou PNG et ainsi que la taille, d'accord, de chaque image. Je ne sais pas ce que vous allez mettre, si vous voulez mettre une photo ou un logo, etc. Essayez d'être dans les dimensions pour être accepté tout simplement par Spotify. Ok? Donc ça, c'est pas mal. Vous cliquez ici et vous personnalisez votre page. Après, vous pouvez faire une petite galerie d'images. Ok? Si jamais vous faites des shootings photos ou quoi, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi, sur plus d'infos, ajouter tous vos liens. D'accord? Donc Instagram, Twitter, Facebook, etc., etc. Normalement, quand les gens cliqueront, hop, ils tomberont sur votre Insta, votre Twitter, Facebook, etc. Et aussi personnaliser la biographie. Ok? Événement live. Donc, ça, c'est si jamais vous faites des concerts, vous allez pouvoir connecter Ticketmaster, Songkick, etc. Ça, peut-être que ça se fait automatiquement, je ne sais plus. Comme moi, je ne fais pas de concert, de toute façon, moi, ça ne me sert pas. Si vous faites des concerts, voilà, en savoir plus, vous avez une petite page qui vous explique comment faire. Et enfin, produits dérivés. Donc là, c'est si jamais vous vendez des merch, donc des merch, hein, c'est t-shirt ou des CD ou quoi que ce soit, vous pouvez connecter un store Shopify. Donc ça, c'est très sympa si jamais vous vendez des merch. On va aller maintenant dans musique. Donc là, en fait, musique, c'est un petit peu le résumé de tous les sons que vous avez sortis, tous les titres, toutes les playlists dans lesquelles vos sons se trouvent. Et enfin, il y a quelque chose qui va nous intéresser qui est prochainement. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sortir un track sur DistroKid, en général, il va apparaître dans Prochainement, d'accord? Notamment sur Spotify, et vous allez pouvoir pitcher, d'accord, un titre. Pitcher un titre, c'est quoi? C'est tout simplement, ça vous permet de un petit peu annoncer à Spotify quel genre de musique ça va être, et ils vont pouvoir comme ça vous placer dans quelques playlists. Donc, on va le faire pour ce track-là. Hop, comme ça, je vais vous montrer. Suivant. Ajouter les informations sur le titre. Donc, c'est de la house, c'est de la slap bass un peu slowed. Donc, hop, on va mettre. Donc, trois genres, tu dois mettre. On va mettre house, slap house, voilà. House, house. On va mettre mid-tempo aussi. House normal et mid-tempo. Ils connaissent pas. On va mettre down-tempo, voilà.
Downtempo, je pense qu'il y a. Ouais. Downtempo. Voilà, on a trois genres. Sélectionner deux cultures musicales. Alors là, bah, aucune de ces réponses, hein. Sélectionner deux ambiances. On va dire, ouais, plus détente. C'est un track assez cool. Détente et triste. Voilà. Sélectionner jusqu'à deux styles de titres. C'est un beats, un beats, un beats. Quels sont les instruments utilisés sur ce titre? On a une petite guitare en nylon. Je sais pas s'ils l'ont. Guitare électrique, ouais, non, une petite guitare acoustique. Hein, voilà, ils ont pas la guitare en nylon. Hop, hop, hop. S'agit-il d'une reprise? Oui. S'agit-il d'un remix? Non. Où le titre a été enregistré en studio? S'agit-il d'un morceau instrumental? Non. Dans quelle langue les paroles sont écrites? Donc là, c'est une reprise russe. Hein. Hop. Suivant. Information sur l'astice. Donc là, tu peux ajouter une petite description. This is a slap bass remix of Polo Zenié. Hop, voilà, je vous fais ça vite fait. Là, vous avez un résumé de tout ce que vous avez fait et tu pitches ton son. Merci pour votre pitch. Hop, ça a été bien pitché. Voilà, nickel. Donc ça permet de signifier à Spotify un petit peu quel style de musique ça va être. Du coup, après, tu peux aussi faire quelque chose pour ta musique qui va sortir, c'est mettre un canvas. Donc tout simplement, on se retrouve sur l'application. Parce que moi, en général, je le fais depuis l'application. Hop là, donc on est sur mon portable et donc bah, tu peux voir qu'il y a l'application qui s'appelle Spotify for Artists qui existe bien. Et je trouve qu'elle est assez smooth, elle est assez fluide. Donc pareil, hein, tu as l'accueil, tes titres, la musique. Tu as aussi bah, du coup le public, ça on le verra après à la fin. Ça on ne l'a pas vu encore. Et voilà, et là tu as ton profil d'artiste. Et tout simplement, ce que je voulais te montrer, c'était comment mettre un canvas. Donc hop, je vais aller sur la prochaine musique qui va arriver. Je vais cliquer ici. Et qu'est-ce que c'est qu'un canvas? C'est un espèce de GIF en fait, en fond du player de la musique de Spotify. Créer un canvas, sélectionner un média. Et je vais aller me chercher Canvas Spotify. Voilà. Donc tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que quand les gens ils seront sur l'application Spotify, ils vont tout simplement pouvoir avoir ton GIF comme ça, en même temps que ta musique est en train de jouer. Donc ça, c'est un gros plus. Sur ton profil, moi j'ai ça fait depuis un an que je fais vraiment des canvas stylés comme ça, et ça augmente clairement le taux de rétention sur ton profil le taux de rétention sur ta musique et sur ton profil aussi, ça fait plus d'engagement. Hop là, donc on se retrouve du coup maintenant sur l'ordi. On va vérifier que le canevas il a bien été mis. Voilà. Voilà ce que ça donne en gros. C'est vraiment pour embellir ton projet sur iPhone X aussi. Ça donnera ceci. Et voilà ce que c'est un canevas. Donc pour les dimensions, faites bien, respectez bien. Les dimensions, c'est 1080-1920. D'accord? C'est l'inverse d'une vidéo YouTube, quoi. Voilà pour ça. Et dernièrement, ben là, c'est vraiment que des statistiques. Tu vas sur public, c'est un petit peu pour voir l'engagement sur ta musique. Et aussi voir, moi, ce que j'aime bien voir, c'est la localisation. Tu vois, là, tu as un petit peu le globe et tu peux voir un petit peu tous tes auditeurs du monde entier. C'est vraiment intéressant. Tiens, j'ai un auditeur au Tchad. Voilà, tu vois, c'est marrant. Voilà pour Spotify for Artists. Donc, n'hésite pas, hein, c'est indispensable à avoir pour personnaliser son profil et optimiser un petit peu comme ça son projet avec le fait de pitcher sa musique avant qu'elle sorte et le fait aussi de mettre des canevas. Voilà pour cette vidéo. Merci à vous. Ciao, ciao.